agressif, il est même parti un peu provoquer le coach de Greg Draghi. Attendez, je finis ma question. Qu'est-ce qui s'est passé exactement et comment vous expliquez cette nervosité? Merci. Non, mais vous savez, c'est des matchs, c'est des gros matchs. Donc, il ne faut pas se plaindre d'avoir des matchs comme ça à la CAN. C'est ce qu'on pourrait chercher. Je pense que si on avait joué à 20h, peut-être le spectacle aurait été encore plus beau. Maintenant, vous savez, il fait très chaud, mais vraiment très très chaud. Donc, à un moment donné, nous on est sur le banc, on est déjà un petit peu fatigué. Mais alors, les joueurs qui font 12 km ou 8 km sur cette chaleur, il faut leur apporter du crédit. Chancel, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et voilà, c'est pas que ce soit lui, que ce soit d'autres, c'est comme ça. Il y a eu un peu de frustration des deux côtés, peut-être de notre côté, d'avoir peut-être pas pu l'emporter, entre guillemets. Et puis du Maroc aussi, voilà. Sincèrement, il faut vraiment pas relever ces points-là, je veux dire. Chancel. Nous, on est dans la communauté du football professionnel. On est ensemble, que ce soit marocain, que ce soit joueur, pour donner du beau spectacle. Après, ce sont des matchs d'hommes. Donc, à un moment donné, bon, c'est normal. Quoi. Voilà, c'est ça qui est beau aussi. Voilà, après, il ne faut pas que ça dépasse. Il y a eu un petit moment de tension, c'est redescendu. Et puis, on souhaite vraiment bonne chance au Maroc pour la suite de la compétition, tout simplement. Avant de m'étranger, ne pas abonner à la chaîne YouTube et partager cette vidéo avec vos amis. Et ne pas oublier de faire un j'aime sur le site et sur les réseaux sociaux.